Savoir conjuguer art, et c'est le cas de le dire, avec conditionnement physique et souplesse. Voici exactement ce que propose la concentration danse au Collège de Champigny. Être en mesure de combiner la belle souplesse de la gymnaste au côté artistique de la patineuse, à tout cela, nous pouvons ajouter les qualités physiques de la nageuse synchronisée. Nous aurons un résultat fort surprenant, mais combien intéressant. De belles jeunes femmes portant fièrement le programme Concentration Danse du Collège de Champigny, possédant un fort bagage et une qualité d'enseignante remarquable, et ce, depuis longtemps, Caroline Paré dirige le tout depuis quelques années. Je pense que ça devenait très crédible aux yeux de la direction ici là, pour instituer un programme de concentration danse, ce qu'il n'y avait pas encore à l'époque. Il y avait ici à Champigny seulement un petit volet d'options danse à raison d'une fois semaine. Et puis dans les autres écoles non plus à Québec, c'était pas encore très développé. La raison est assez simple, c'est que pour enseigner officiellement un programme de danse dans une école, il faut détenir un papier qu'on va chercher à Montréal. En fait, moi, j'ai fait ça au baccalauréat. J'ai fait mon baccalauréat à l'UQAM, donc j'ai un permis d'enseignement de la danse à l'école. Alors donc, il y a 7 ans, on m'a ouvert les portes là, pour... D'abord pour enseigner le petit programme d'option et 2 ans plus tard pour implanter le programme de concentration. Qui dit concentration danse dit plusieurs volets. C'est la création, l'appréciation et l'interprétation. Alors, c'est une belle façon, je pense, de voir la différence entre une école de danse et la danse à l'école. Dans une école de danse, les élèves vont surtout travailler le volet interprétation. Ils vont apprendre la danse de l'enseignant, ils vont travailler un genre, un style ou quelques genres, quelques styles. Quand on fait de la danse à l'école, on fait aussi beaucoup de travaux, beaucoup de projets de création. Le programme ici, il se démarque parce que justement, il y a des artistes qui débarquent, parce qu'on fait beaucoup de voyages culturels aussi. On va au Festival Transamérique à Montréal, on va au Festival Accédance à Châteauguay, puis là, je planche sur un voyage en Europe. Alors, on a des élèves, ce qui est intéressant dans ce programme-là, il y a des élèves qui viennent, c'est vraiment des bougeuses, comme celles qu'on voit en fond d'écran, là. Elles viennent à l'heure du midi, la troupe, puis la troupe, c'est vraiment un travail d'interprétation. Puis j'ai des élèves qui sont très fortes en appréciation. Leur plaisir, c'est de rencontrer le vaste univers de la danse, puis de savoir comment est-ce qu'on analyse une danse et tout. Puis j'ai des élèves très fortes en création qui viennent pratiquement pour le volet création. Donc, on peut vraiment trouver, je pense, son compte dans un programme comme celui-là. S'inscrire à cette concentration repose sur plusieurs intentions. C'est surtout faire la danse, je pense. Parce qu'à l'extérieur, j'en fais pas beaucoup parce qu'il faut s'inscrire, puis là, ça coûte. Ça coûte cher, mais ici, ça fait partie de l'école. Puis, c'est ça. Mais moi, en fait, quand j'étais venue aux portes ouvertes avant d'entrer au secondaire, j'avais vu une démonstration, puis ça m'avait vraiment intéressée, puis ça m'a donné envie de m'inscrire. On fait pas seulement de la technique, on fait aussi de la création, donc on peut se développer en tant que danseur autrement que seulement en interprétant des danses. Par ailleurs, un nouveau partenariat s'est développé avec l'École de danse de Québec. Un bel ajout. On est dans un programme qui est professionnel. C'est professionnel, donc on est plus concentré. Puis ça nous ajoute aussi, justement, avec le percussionniste. On apprend d'autres façons de danser. C'est une concentration qui doit demander énormément de travail. À quoi ça ressemble, la charge de travail, pour vous autres, les filles? Bien, en fait, on apprend des danses, puis il faut... Faut souvent les pratiquer des fois en dehors des cours pour les maîtriser comme il faut, comme si on a un spectacle ou si on a une présentation à faire là, sur cette danse-là. Côté études mélangées avec la danse, est-ce que c'est compliqué pour vous autres? Moi, je trouve ça correct, dans le fond, parce que la danse, c'est comme intégrée dans nos cours, fait que ça nous permet aussi de relaxer un peu, de changer de l'école normale. Puis avec l'école, ça va très bien. Abordons la question du temps accordé au travail technique. De plus, l'esprit de famille est remarquable. Il y a environ 65% qui est accordé à la technique, mais sinon, c'est la création. Parce que, en fait, à tous les cours, il y a de la technique, mais souvent, il y a la moitié du cours qui est apportée à la création. C'est vraiment bien, là. On est comme une petite famille, là. On s'entraide beaucoup, puis on fait beaucoup de travail d'équipe. Fait qu'on n'a pas vraiment de misère avec ça. Dans le groupe, on est 25, nous, en secondaire 3, donc c'est un peu beaucoup. Donc, c'est sûr qu'on a des personnes avec qui on est plus proche que d'autres. Donc, ouais. Mais on s'entend bien, relativement bien avec tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qu'on a plus d'affinités.
une bonne condition physique doit se retrouver chez les participantes. Ce qui est intéressant de la danse, contrairement aux autres disciplines artistiques, c'est que ça demande un corps en forme, hein? Ça demande beaucoup d'habiletés physiques qui viennent au service du propos qu'on veut tenir, par exemple. Ça aide à mieux danser, à mieux interpréter la danse pour aller au bout de ses mouvements. C'est sûr, on peut faire plus de mouvements puis mieux intégrer la technique dans le corps quand on est plus souple et plus entraîné, là. Aussi, on fait des classes de musculation. Des fois, en classe, on fait la danse santé qui s'appelle la danse santé, dans le fond. Puis on fait de l'exercice aussi, on muscle tous les muscles de notre corps. On profite de la technique des élèves, de leur volonté de bouger, de leur capacité pour essayer vraiment de faire une danse très dynamique et intense. Mais des fois, on fait juste traverser l'espace en marchant, puis on essaie à ce moment-là de soutenir la marche par une intention forte et tout. Alors, le corps qui soit... Il faut que le corps soit entraîné, il faut que techniquement il soit fort, mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec lui. L'une des particularités du programme repose sur son ouverture. C'est ouvert à tous. J'ai des élèves qui sont effectivement très fortes. Ils arrivent ici, ils ont déjà 5 ou 6 ans d'expérience en danse. Alors, au niveau de l'interprétation, ils sont très fortes. Ils sont parfois coincés en création parce qu'ils se sont campés dans un genre et style très particulier qui les empêche d'aller ailleurs. Donc, c'est le travail qu'ils ont à faire, ces élèves-là. Puis j'ai d'autres élèves qui arrivent pas de technique, pas de tonicité, rien. Puis eux, c'est le défi qu'ils ont. Ils peuvent être très créatifs, par exemple. Les nombreux défis, tout comme la passion, animent la professionnelle. De plus, de beaux projets viennent meubler le calendrier. Être le témoin privilégié du développement de chacune des élèves, de chacune parce que principalement, ce sont des filles, quoi qu'on a déjà eu des garçons dans le programme de concentration. Je dirais ça. Une autre passion que j'ai, c'est de créer des collaborations avec le milieu professionnel. Par exemple, j'ai mis sur pied un concours qui s'appelle Marquer la danse, qui invite les élèves à imaginer une danse qu'ils écrivent. La danse gagnante, en fait, on a 3 finalistes qui vont travailler leur danse avec des interprètes professionnels et la danse va être présentée en levée de rideau du spectacle professionnel pour le public scolaire. Alors, ce genre de rencontre-là entre le milieu scolaire et le milieu professionnel m'anime aussi beaucoup, beaucoup. Là. Mon travail fait en sorte que je côtoie beaucoup d'entraîneurs, tout sport confondu. Donc, j'ai l'impression que vous devez être aussi fin psychologue avec ces filles-là pour garder la dynamique de groupe. Oui, oui. Bien, il y a quelque chose de particulier. Ce sont des groupes de filles. On sait que les filles sont bavardes. Elles ont beaucoup de choses à dire. Puis je pense qu'il ne faut pas les priver de parler non plus. Mais donc, ce que j'essaie de faire... Des fois, j'ai des interventions de groupe pour ramener le groupe dans le travail. Des fois, ça va être des interventions individuelles quand je sens qu'il y a effectivement une élève plus démotivée ou quelque chose comme ça. Un beau programme à découvrir, alliant le petit côté créateur à celui des habiletés physiques.